Bien, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui nous regardent sur leur écran. J'espère que tout le monde a passé de bonnes vacances. En ce qui me concerne, j'ai eu de la pluie en Belgique et du soleil en Corse. Donc il n'y a pas eu de surprise. Que vous êtes tous reposés et qu'on va pouvoir faire une super rentrée dans le contexte que nous connaissons. Voilà. Donc dans un premier temps, ce conseil ne sera sans doute pas très long parce qu'il n'y a pas de grandes décisions stratégique comme on en a eu par le passé. C'est plutôt une occasion de faire passer un certain nombre de délibérations indispensables et puis aussi de reprendre contact et puis de partager sur certains sujets qu'on aura en questions diverses à la fin. Voilà. Je dois excuser M. Chevalier parce que pour des raisons familiales, il ne peut pas être là aujourd'hui, notre journaliste de la Nouvelle République. J'excuse également Sébastien Massé pour qui j'ai le pouvoir, Anna Faure qui a donné son pouvoir à Fanou, Gilbert Jadot qui a donné son pouvoir à Frédéric de Ruffray, Sandrine Fredonnet qui a donné son pouvoir à Sylviane Chariot, Emmanuel Brunet à Jean-Paul Brulé. Faites attention à ne pas inverser dans le compte-rendu. Michel Valade à Philippe Chauvergne et Sébastien Duvaux à Franck Rivaud. Donc on a, même si nous ne sommes qu'une quinzaine, on a le quorum avec tous ses pouvoirs sans aucun problème. Voilà, donc je vous demanderai, je crois que c'est parti en circulation, de signer l'approbation du conseil municipal précédent. Bon, c'est ça que tu fais circuler ? Ah non ? Bah, c'est... Bon, est-ce qu'il y a des objections ou des modifications sur le compte-rendu que vous avez reçu et le PV du conseil municipal précédent ? Qui s'oppose, qui s'abstient. Donc, il est approuvé à l'unanimité. Il faudra signer le registre, il circule, hein ? Oui, d'accord. Très bien. Donc, première délibération. Je vais tout de suite passer. D'abord, j'aurais dû commencer par là. Hélène va nous quitter assez vite. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a le Forum des associations à Civray, qui a été délocalisé pour risque climatique au gymnase de Beau Séjour. Donc, Hélène, en tant qu'adjointe en charge des associations, dès qu'on aura voté toutes les délibérations, on ne restera pas avec nous pour les discussions, les questions diverses, pour rejoindre le forum. Voilà. En attendant, tu commences par nous expliquer les nouveaux tarifs et les nouveaux horaires du temps périscolaire. Alors, il n'y a pas de nouveaux tarifs à voter aujourd'hui, c'est juste une précision et ça remplace la délibération du Conseil du 3 juillet au niveau des horaires de l'accueil périscolaire du matin et du soir. L'explication, c'est qu'il y a une nouvelle organisation du temps scolaire qui avait été validée pour cette rentrée par les services académiques. Il s'avère qu'il y a eu un petit souci dans les horaires, notamment de la matinée, qui était trop long. Donc, on a dû remodifier une seconde fois l'organisation de ce temps scolaire. Donc, ça modifie légèrement les horaires d'accueil du matin et du soir, notamment pour les lundis et jeudis. Voilà, donc il n'y a rien de compliqué, hein, c'est uniquement de revalider des horaires de garderie du matin et du soir. Les tarifications restent tout à fait les mêmes. Voilà, donc rien de particulier, je ne sais pas si vous avez des questions. Mais là, c'est simplement une petite erreur dans la validation de cette organisation du temps scolaire par les services académiques de l'éducation nationale. Donc on s'est ajusté pour cette rentrée. Voilà. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Parce que on est obligé de prendre une délibération essentiellement parce qu'on modifie les horaires, qu'il n'y a aucune modification de tarif. Et donc, l'organisation qu'on essaie de mettre en place, c'est une organisation à terme qui essaie d'inclure plus de périscolaires avec une participation d'associations à terme et peut-être plus d'après-midi périscolaires dans le futur. Donc, il fallait s'adapter aux horaires par rapport aux horaires des enseignants, aux impératifs académiques de l'éducation nationale et au temps qu'on pouvait libérer pour les différentes activités périscolaires. Donc, qui s'oppose à ces nouveaux horaires ? Qui s'abstient ? Merci. Adopté. La délibération numéro 2, c'est une délibération assez classique, hein. Je vous demande d'approuver la redevance que France Télécom paye à la mairie de Civray pour l'occupation du domaine public aérien souterrain pour
On a mis pour 2021, c'est pour 2021. Donc on est à, on le fait toujours en fin d'année pour l'année précédente. Bon, c'est un peu la location de l'utilisation de nos terrains. Ah ouais, c'est régulier, c'est tous les ans. Donc pour l'année 2021, le montant de la redevance est fixé à 2 975,49 €. Et les montants des années suivantes, pour ne pas reprendre des délibérations tous les ans à chaque nouveau montant, on prend 7 délibérations pour que dans les années suivantes, on applique simplement le décret d'augmentation, d'application, et qu'on n'ait pas à revoter ce paiement de redevance annuelle. Qui a des remarques à faire sur ce sujet ? Bon. Pas d'objection ? Personne ne s'abstient ? Adopté, merci. Fonds de concours du gymnase de la communauté de communes. Fonds de concours de la communauté de communes pour le fonctionnement de notre gymnase. Vous savez que ça, c'est un accord qui date de très longtemps. Pour faire court, plus ou moins, puis ceux qui étaient conseillers depuis une dizaine ou douzaine d'années le savent, le coût évalué annuel de fonctionnement du gymnase est, selon les années, mais en moyenne, entre 55 et 60 000 euros. Il y a eu un accord signé avec la communauté de communes. Il y avait un fonds de concours de 15 000 euros qui abondait un quart du fonctionnement de ce gymnase. Alors, sachez que pour le gymnase, je fais un petit aparté, mais on est en discussion. On était hier matin uniquement pour ça avec Nathalie à la communauté de communes, avec le président de la communauté de communes et sa directrice des services et son directeur financier pour envisager un sujet, je dirais presque un serpent de mer, parce que ça fait 3 ans que ça dure, mais le transfert de la propriété du gymnase, enfin, de faire de ce gymnase un projet communautaire. Et donc, ça engendre toute une somme de discussions sur la prise en compte dans ce transfert des transferts de charges et des transferts de compétences. On a des gens qui travaillent sur le gymnase, on a des charges de fonctionnement, tout ça sera transféré, mais sur l'investissement, il y aura un retour vers nous en termes de restitution, de retour sur investissement. Comment on appelle ça déjà ? J'ai oublié le terme. C'est les subventions d'investissement de la Comcom qui réduiraient d'une partie. Oui, nos dépenses d'investissement. Bon, on a discuté de cette partie financière. Lundi soir, il y a une discussion de la partie technique. On s'oriente vers si tout se passe. Alors, évidemment, c'est un projet communautaire, donc ça demande l'assentiment de tous les maires des 36 communes du Cévennes en Poitou, mais si on s'oriente vers un projet où on aurait un double gymnase au même site, sur le même site, à Beauséjour. Alors, je vous en parle maintenant, on est vraiment au début de l'histoire. Hein. Il faut déjà qu'il y ait l'évaluation financière de ce que coûtera le transfert. Et puis, pour les uns et pour les autres, et puis du projet qui sera arrêté. Donc, la discussion technique sur le projet avec le bureau d'études que la communauté de communes a chargé dans le projet, de gérer ce projet depuis déjà 2 ans, on aura des présentations des projets lundi soir. D'ailleurs, j'espère que Manu pourra y aller, puisqu'il est en tant que conseiller communautaire. De la commission des sports, il faudrait peut-être voir. C'est à 17h ou 18h lundi soir. Voilà. Donc pour revenir, je dirais que ce que je vous demande de voter aujourd'hui, c'est le vieux fonctionnement du gymnase, hein, qui date de l'ancienne communauté de communes de Civray, puis de Civray et Charroux. C'est-à-dire qu'un quart du coût de fonctionnement est pris en charge par la communauté de communes. Et donc 3/4 par la ville, sachant qu'il y a moins de 3/4 des habitants qui sont ceux qui utilisent le gymnase. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre ? Pas d'abstention. Donc, on peut accepter le fonds de concours de la communauté de communes de 15 000 euros. Voilà. Merci. Donc là, c'est le contrat de maintenance du système de sécurité incendie. Donc ça, c'est là aussi, je dirais que c'est un vieux dossier, parce que le dernier contrat qui existait, il datait de 2001, c'était un contrat en francs, et on payait 7 700 francs par an, ce qui représentait, si au jour du change, à peu près 1 000 euros.
Nathalie a fait le nécessaire auprès de l'entreprise DEF pour faire les réparations du système existant, puisque le système ne fonctionnait pas. Finalement, on avait un système d'alerte incendie, mais qui n'alertait pas, tout simplement. Donc, on peut dire que c'était une dépense qu'on avait tous les ans qui ne servait à rien. Donc, il y a deux solutions. Quand elle s'est rendue compte de ça, si on arrête la dépense ou on répare le système incendie, c'est ce qu'on a fait. Ils sont venus la semaine dernière, d'ailleurs. Et donc, le contrat s'élève à 449 euros pour une durée d'un an, renouvelable trois fois. Et ensuite, on négociera, si ça se passe mal, le prix, on verra quel système on adoptera dans le cadre de la rénovation sans doute future de la mairie. Voilà. Donc, est-ce que vous m'autorisez à signer ce contrat de 449 euros annuels avec la société DEF, qui est contre, qui s'abstient? Bien, adopté à l'unanimité. Là, je vais passer la parole à Nathalie, parce qu'on rentre dans le système administratif qui, vous savez, me pose des petits problèmes. C'est-à-dire qu'on crée des postes tout au long de l'année, mais on les supprime qu'une fois par an. Donc, en fin d'année, on se retrouve à des gros tableaux où on a l'impression qu'il y a 70 personnes qui travaillent à la mairie, mais après, on enlève tous ceux qui ne sont plus utilisés, puisque chaque fois qu'on a un avancement, une promotion, un recrutement, il faut que ça colle sur l'intitulé du poste en question. Donc, à chaque fois qu'on fait ça, on crée des postes, et à un moment donné, on efface tout. Mais aujourd'hui, on va se retrouver... Voilà, j'ai fait passer mon petit message, mais c'est l'administration française en général. Donc, j'espère qu'un jour, des députés, s'ils m'entendent, ça serait bien, se pencheront sur ces sujets qui, je pense, ont existé à l'époque où tout était papier, sans doute au 19e siècle ou au 20e, et on ne voulait pas faire à chaque fois une délibération. Et donc, on faisait un truc en fin d'année. Mais là, aujourd'hui, avec l'informatique, on peut, vous faites cliquer, effacer ligne, supprimer ligne. On pourrait faire ça simultanément. Ce que j'aime bien, c'est qu'on crée 4, 6, 8, 9 postes et qu'on supprime les 9 autres lignes en même temps. Je trouvais ça sympa dans la lisibilité à l'instant T du tableau des effectifs. Mais bon, ça viendra. Donc, je te passe la parole. D'accord. Donc, dans un premier temps, on va créer les postes pour lesquels, pour lesquels il est nécessaire de le faire, puisque on avait des possibilités pour certains agents de les faire en fait avancer dans leur carrière logiquement, soit par promotion interne puisqu'ils étaient inscrits sur des listes d'aptitudes. Et ou par ancienneté quand ils ont atteint la période nécessaire à passer au grade supérieur. Ce sont des agents qui sont tous en catégorie C, qui ont tous reçu des avis favorables de la part de leur chef de service, qui donc aussi été présenté donc à Pascal et à vous également. Pour justement valider ces créations de postes, puisque ça se traduit en création de postes, ce ne sont que des avancements de grade en promotion interne. Voilà. Je reprends la parole parce que pour le vote, ça va être bon. Oui. Donc on est obligé de voter la création de ces lignes et de ces nouveaux postes, sachant que le 17 septembre, vous avez été convié en tant que conseiller municipal, mais aussi tout le personnel. On va faire un grand rassemblement de l'ensemble de l'effectif municipal à la salle de la récré pour justement remettre les médailles qui en ont, donc il y a des avancements avec. Les départs en retraite, on a quand même eu 5 départs en retraite depuis le début de la crise Covid, à commencer par celui de Marie-Pascal Daigmort. Donc on va faire une grande soirée où on remettra les cadeaux traditionnel des départs en retraite à ceux qui sont déjà en retraite pour certains depuis un an et demi, et puis les médailles à ceux qui ont des médailles. Parmi ceux-ci, il y en a qui ont ces avancements de poste. Voilà, il y a quand même un lien. Donc, qui s'oppose à l'explication que vient de donner Nathalie sur les créations de poste, qui s'abstient. Donc, on les crée tous les 9. Voilà. Alors là, c'est un sujet dont je peux parler un petit peu plus. On a eu une réunion il y a déjà plusieurs mois, avant l'été en tout cas, avec Nathalie, avec Bénédicte. On n'était pas 4 qui étaient avec nous aussi. Peut-être Manu, je ne sais pas.
J'ai l'impression qu'on en était 4. 1, 2, 3. Et puis, en visio avec une société qui travaille uniquement auprès des collectivités territoriales et surtout des mairies, beaucoup pour des villes de notre taille. Ils ont une cinquantaine de contrats en cours en même temps, mais pas plus. Et si je résume de manière courte ce qu'ils sont en mesure de nous apporter, c'est sur la base d'un contrat de 35 000 euros, donc qu'on leur paye, à compter d'une date T qu'on choisira et qu'on signera, ils peuvent rentrer dans notre processus Petite Ville de Demain et Réhabilitation Centre-Bourg en cofinanceurs privés. C'est-à-dire que leur rôle, c'est leur capacité à mobiliser des fonds auprès de grands groupes, de fondations de grands groupes. Vous savez que presque tous les groupes du CAC 40 ont des fondations qui peuvent intervenir sur des musées, sur des équipements sportifs, de l'historique, en fonction un petit peu des appétences des supports qu'apportent ces grands groupes dans leur politique de mécénat aux différentes structures, collectivités, voire associations. Et donc, après avoir longtemps parlé avec eux, reçu leur proposition de contrat, c'est un contrat de 14 mois qui fait que si on le commence, par exemple, le 1er avril de l'année prochaine, pendant 14 mois, ils vont rechercher des fonds pour abonder les projets qu'on aura. Ça veut dire que les projets, il faut qu'on les ait, il faut que les études soient déjà faites, ou au moins démarrées. On ne va pas chercher des fonds sur une opération qu'on ne ferait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme opération? On réhabilite la DDE et on va entamer des travaux pour refaire l'école de musique. Hein. Donc ça, c'est des... Mais peut-être qu'il y a un grand groupe ou une fondation qui est particulièrement intéressée pour financer une école de musique, etc. Donc leur boulot, c'est par rapport à nos projets, par rapport à ce qu'on crée. C'est pour ça que Bénédicte est très impliquée, puisque par sa responsabilité au niveau urbanisme, ils vont pouvoir intervenir en allant chercher des fonds privés. Nous, on signe avec eux un contrat de 35 000 euros, donc on avance 35 000 euros et ça nous coûte 35 000 euros. Mais si au bout des 14 mois, pendant la période qui aura été faite, aucun fonds ou moins de 35 000 euros n'ont été rapportés par l'entreprise, ils nous remboursent la somme ou la différence. Donc finalement, pour eux, il faut aller au-delà de 35 000 euros pour qu'ils gagnent leur argent et que nous, on puisse avoir un financement, abonder un financement sur des halles, un musée, je ne sais quoi, enfin, ce qu'on décidera de faire. L'idée, c'est, dans la politique globale qu'on avait décidée, de pouvoir, au-delà des cofinancements qu'on a bien pratiqués depuis un an et demi, classiques de l'État, de la région, du département et de manière générale des collectivités territoriales et des fonds de concours de la Comcom, c'est aller chercher des capitaux privés pour abonder des projets sur lesquels ils pourraient avoir un intérêt. Je vais prendre un exemple qui ne concernera jamais Civray, mais c'est vrai que quand la mairie de Paris fait Bercy et qu'elle l'appelle Accor Arena, ça réduit d'autant le montant que ce qu'Accor apporte dans l'investissement. Et donc, on n'est pas à cette taille-là, rassurez-vous. Mais cette société, justement, va chercher dans les fondations. Vous avez peut-être vu dans le journal, il y a 2-3 jours, que la fondation Stéphane Bern se penchait sur une rénovation d'une abbaye dans le nord de la Vienne. Donc, c'est typiquement ce genre d'action que peut faire cette société. Voilà. C'est pour vous expliquer. Donc moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de m'autoriser à signer le contrat avec cette société le moment venu. Donc ça veut dire que c'est-à-dire pas demain, ça je vous le garantis. Il y aura d'autres conseils municipaux avant qu'on signe. C'est le jour où les études nous disent sur quoi on peut mettre de l'argent. Il ne faut pas se louper non plus parce que 14 mois, c'est court. Là, on a monté pratiquement tout le financement pour l'ancienne DDE avec des financements de collectivités territoriales. C'est peut-être pas... Il ne faut pas utiliser toutes ces cartouches pour la même chose. Donc, on en reparlera en réunion d'adjoints, on en reparlera en conseil municipal, et je vous ferai valider le moment où... De toute façon, le moment où on signera le contrat, je reviendrai avec le contrat, mais c'est pour pouvoir avoir cette flexibilité de continuer à discuter avec eux et de continuer, en fonction de nos différents projets, à aller chercher des fonds privés pour abonder le fonctionnement classique du cofinancement d'une collectivité territoriale.
Donc, qui... il y a peut-être des questions, parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau. Oui. Je voulais juste savoir s'il y avait un montant minimum sur lequel ils s'engagent en termes de financement trouvé. Parce que là, si j'ai bien compris, au-delà de 35 000 euros de financement trouvé, on doit leur régler cette somme-là. Et oui. On imagine qu'ils trouvent 45 000 euros. Est-ce que c'est intéressant pour nous ? Est-ce qu'il y a un montant, tu vois, il faut que ce soit au-dessus de 60 000 euros pour que ce soit quand même intéressant, parce que là, c'est un... ou pas. Alors, c'est sûr que si ils trouvent 36 000 euros et qu'on leur rembourse 35, on a perdu. Enfin, je pense que l'idée, c'est quand même d'avoir... c'est Jean-Paul qui me coupe. L'idée, c'est d'avoir des cofinancements conséquents qui aillent bien au-delà de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais c'est sûr qu'on peut, on peut perdre. A priori, on perd pas grand-chose parce que dès qu'il y a plus de 35 000 euros, ça ne coûte plus rien. C'est-à-dire que ça serait bien que ce soit au-dessus de 70. Dans l'arithmétique, mais l'idée, c'est pas ça. C'est vraiment de pouvoir abonder je sais pas, on a racheté le presbytère, il y aura des travaux à faire dedans. Si on fait un musée dans le presbytère, comme certains le souhaitent ou le demandent, enfin, je fais transpirer quelques retours des balades sensibles qu'on a eues. Ça coûte. J'ai aucune idée, mais ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Il y a peut-être un intérêt pour qu'une fondation participe à un musée à Civray, voilà. Dans l'idée, quand on fait ça, c'est pas pour jouer sur des quelques milliers d'euros, c'est plutôt pour quelques centaines de milliers d'euros. Mais bon, il y a un risque. Le risque, il est relativement faible. Il est d'avancer 35 000 euros, de retrouver 35 000 euros, c'est un jeu à somme nulle. On aura perdu un an de discussion avec eux. Un peu au-dessus, ce sera quelque chose, mais ça ne servira pas à grand-chose. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir du privé qui s'investissent dans un des différents légaux immobiliers ou fonciers qu'on construira sur la ville. C'est plutôt une forme de souplesse d'investissement. Et puis aussi, le moment où on aura besoin de faire des emprunts, peut-être, pour ces différents sujets, quand on a l'appui de collectivités territoriales plus de privé, c'est très simple et c'est plus facile de négocier un emprunt. Enfin, c'est plutôt pour avoir des outils. Je pense que c'est un outil qui coûte zéro, qui nous servira peut-être à rien, je veux bien reconnaître, mais qui peut aussi être un bras de levier très important sur certains investissements. C'est bon ? Oui, l'idée me semble pas bonne, elle me semble bonne, c'est très bien. Ce que je peux constater peut-être, c'est que ça ne fera que retarder encore peut-être certains projets, parce que ça va quand même relativement long, on voit bien dans l'explication. Et juste pour présenter un peu, en parlant du musée, Mlle Rougier risque de l'attendre longtemps si on doit le faire de cette manière-là. Quoi. Voilà ce que je voulais dire simplement. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais ça peut être que vraiment sur du long terme. Et il y a peut-être des choses qu'il faut peut-être avancer un peu plus vite en ce moment là-dessus. Quoi. Voilà. C'était juste ma question. Alors là, je ne suis pas d'accord du tout d'ailleurs avec toi, parce que c'est l'inverse. C'est plutôt de l'argent mobilisable beaucoup plus rapidement que celui des collectivités territoriales. C'est-à-dire le jour où on aura monté tous les dossiers d'études, d'architecture et de décision, c'est pour ça qu'il faut voir quand est-ce qu'on signe ce contrat. Eux, ils signent des contrats de 14 mois. Donc ils les ont en main, tous ces gens-là. Hein. Sur ce projet à 300 000 euros, est-ce que vous êtes prêt à mettre 100 000 euros sur le musée de Civray ? Je prends un exemple parce qu'on a discuté d'aucun sujet. Hein. On est resté dans le général. Mais je veux dire, au contraire, ils ont une capacité de réaction beaucoup plus rapide que les collectivités territoriales. C'est une fois que le projet est prêt, une fois qu'on a tout en main, qu'on leur dit est-ce que vous pouvez nous trouver tel ou tel financeur pour ce type de projet ou ce type de projet. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude sur... Ils ne vont pas ralentir le truc. Non. Ils permettront d'abonder en termes financiers, mais c'est pas assez. Les ralentissements, on les connaît, on les aura bien ailleurs. Le temps de délai de l'État, de la région, je n'attaque personne, mais c'est le délai d'administration. Eux, ils ont plutôt un temps de réaction plus court. De toute façon, je prends un exemple, parce que vous savez qu'on travaille sur des halles, il y aura des halles dans le projet. Les halles,
On a vu, on va faire une première réunion là, d'adjoints pour présenter avec Laurent Dufour que, l'avancée de ces travaux lundi soir. On a vu des projets de halles à 750 000, 1 million d'euros. Enfin bon, je pense à Suite Pontarlier. Là. Certains peut-être ont vu la vidéo du maire et des halles qui ont été construites très rapidement. Mettons, c'est 750 000 euros. Pour ce type de projet-là, une fois que c'est prêt, on peut actionner tout le process pour arriver jusqu'au permis de construire pour monter ça, il était assez long. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on dit, est-ce que vous pouvez nous trouver des fonds? Je ne sais pas, il y a peut-être une fondation qui a envie de s'occuper des halles. Bon, le truc a été fait très bien. Je ne pense pas qu'il faut... En tout cas, l'idée que ça retarde, non. Non. Là, il n'y a aucun risque que ça retarde. La remarque d'Hélène est plus juste, l'idée que ça ne rapporte rien, qu'on passe à côté, peut-être. Là, je n'ai pas de réponse là-dessus. Il y a un risque. Il faut en prendre. Il faut prendre des risques, des fois, pour faire avancer. Voilà. Donc, est-ce que vous m'autorisez à signer? Encore une fois, je vous réinformerai, et ça ne sera sans doute pas avant le prochain conseil municipal, rassurez-vous, mais c'était plutôt pour être en mesure de discuter avec eux. Qui s'oppose à la signature de ce contrat? Qui s'abstient? Très bien, merci beaucoup. Ensuite, on passe à l'occupation du domaine public, enfin l'installation du système d'allumage des éclairages du stade GSM. Oui, alors ça, on en a parlé plusieurs fois. Là, on est obligé de passer une délibération pour que le département nous le finance, c'est ça? Non. Oui, prends la parole, parce que c'est ce genre de délibération que j'aime beaucoup. Vous savez qu'on a fait automatiser en fait l'éclairage public du stade pour que les hélicoptères du SAMU puissent se poser sur le stade dans de bonnes conditions avec tout ça. Donc c'est le département qui a financé en fait cette installation d'éclairage, enfin d'automaticité de cet éclairage, et donc il utilise des bâtiments et des lieux qui appartiennent à la mairie. Donc ils ont installé en fait cet équipement sur des bâtiments communaux, et il faut qu'ils aient le droit de le faire. Donc c'est pour utiliser en fait les supports et les équipements pour qu'ils puissent installer leurs équipements qui restent leur propriété sur une propriété qui n'est pas la leur. Bon, finalement, c'est une convention d'utilisation du domaine public du même type que celle pour la redevance de France Télécom. Sauf qu'on fait payer France Télécom et qu'on ne fait pas payer le département, on n'ose pas parce qu'ils ne nous auraient peut-être plus rien après. Alors on leur autorise, on les autorise à mettre leur équipement de manière pérenne sur notre propriété gratuitement. Mais bon, c'est dans le petit, vous voyez où c'est, hein, c'est dans la boîte qui est derrière les tribunes du stade de foot. Et puis c'est quand même très très pratique et très utile. La nuit, quand les hélicoptères viennent du CHU, qu'ils puissent allumer le stade tout seul. Bah, ça, c'est quand même un avantage fantastique. On est tous de permanence, on y va en cours. Mais en plus, quand on aura automatisé la barrière, ils pourront avoir et l'éclairage et la barrière en main pour faire tout seul. On a eu un petit cas là au début de l'année dernière où, bon, même si on s'est précipité à plusieurs, on est arrivé un tout petit peu après pour ouvrir la barrière. Et c'est toujours embêtant que l'ambulance attende d'un côté de la barrière et l'hélicoptère de l'autre. Donc on est en train de mettre en place un système automatique qui permettra aux gens qui sont en charge, les ambulances qui auront l'ouverture de la barrière et l'hélicoptère qui aura l'éclairage du stade, de tout faire automatiquement sans notre intervention. Pourquoi? En fait, parce qu'on avait avancé sur ce projet, sur cette plateforme pour l'hélicoptère. Notre projet, nous, n'était pas au stade. Maintenant, c'est pas, ça peut être très bien au stade, peut-être que c'est mieux, ou je ne sais pas, Mais c'est à l'extérieur, et ça compliquait peut-être beaucoup moins que de le mettre directement sur le stade. Cette plateforme était prévue, là où on a installé les toilettes là, sur le champ Béchemille, où un responsable du SAMU était venu voir et considérait que cet emplacement était très bien. Et donc, voilà, pourquoi vous avez peut-être changé, pas suivi cette idée, mais de le mettre au stade. Parce que c'est vrai qu'il y avait le problème des barrières, il
y a le problème aussi qu'il peut y avoir un match, enfin dire un entraînement de nocturne, et l'hélicoptère peut bien sûr intervenir à ce moment-là. Donc pour nous, c'était moins compliqué, beaucoup plus indépendant de faire cette plateforme à l'extérieur. Pourquoi l'idée de la mettre au stade? Voilà. Alors je dirais que ce n'est pas une idée, puisque c'est là que ça fonctionne aujourd'hui. C'est probablement une proposition qui n'a pas été retenue, puisque on n'est pas le seul. Hein. On est un certain nombre de lieux d'atterrissage d'hélicoptères sur l'ensemble du territoire de la Vienne qui ont décidé d'être éclairés par le département après validation d'une cartographie par le CHU, le SMUR. Et donc, ils n'ont pas dû reprendre cette proposition. Certes, on ne leur a peut-être pas donné non plus, mais ils ont considéré que c'était là. Je crois qu'il y a aussi le stade, il y a plusieurs stades pas loin d'ici. Je ne suis même pas sûr qu'il n'y ait pas Savigny aussi. Il y aura un certain nombre de stades éclairés et dans toute la Vienne, c'est un programme du conseil départemental. Moi, je pense que bon, ils n'arrivent pas si souvent. C'est sûr qu'ils arriveront peut-être un jour pendant un match, mais ça sera une fois. On arrêtera le match, on reprendra 20 minutes après. Et il y a deux terrains. En général, ils atterrissent sur le deuxième, enfin, celui qui est le plus près de la... Enfin, moi, j'ai fait trois, quatre interventions. Ils atterrissent toujours sur celui qui est près de la barrière. Pas le stade principal. Ouais. Donc, bon, c'était choisi comme ça, c'est comme ça. Je pense qu'on ne va pas revenir dessus. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait fallu leur proposer une alternative. C'est eux plutôt qui sont venus avec la cartographie des stades qu'ils allaient éclairer. Des stades, il n'y a pas que des stades d'ailleurs, des endroits qu'ils allaient éclairer automatiquement. Enfin, parce que pour les habitants de Civray, de la région de Civray, du Civraisien en général, ça veut dire que le pilote de l'hélicoptère va partir avec de quoi éclairer le stade avant d'atterrir. Donc il va maîtriser sa manœuvre et qu'à l'autre bout, l'ambulancier, il aura de quoi ouvrir une barrière automatique et il pourra rentrer à l'heure où il veut. Ça ne peut qu'accélérer la réactivité globale du système. Donc, ça, c'est... Disons par la rue de la Blanchirie et arriver directement sur le lieu de la plateforme, sans barrière, sans rien. C'était simplement l'intérêt que nous, on avait vu à l'époque. Voilà. Bon, de toute façon, je crois que là, c'est quelque chose d'arrêté. Hein, c'est là où il y a les toilettes, là, à côté des toilettes, de l'autre côté de... Mais donc, oui, il n'y a pas d'éclairage. Il y a un éclairage là-bas? Parce que là il allume quand même les lumières du stade. Enfin, il y a quand même de quoi atterrir. Bon, de toute façon, je pense que ça ne fait pas partie de leur... Ouais. Je peux m'en poser la question, pourquoi ils ont parti. Vous l'aviez proposé officiellement, là. Il y a une proposition de lieu qui avait été faite. Si on retrouve les dossiers, moi je veux bien qu'on regarde ce qui s'est fait, pourquoi ça n'a pas été fait. Mais... Maintenant, l'idée, c'est que ça se fasse. Hein. C'est pas... Ah, mais c'est fait, là. Voilà. Il ne manque plus qu'à automatiser la barrière. La partie éclairage est finie. Alors moi, je reviens au vote. Vous êtes tous d'accord pour autoriser à ne pas faire payer le département pour qu'il mette ses équipements sur... Qui est contre ? Abstient ? Bon, dans la joie et la bonne humeur. Non mais c'est que des progrès pour la population. Après, pour la localisation, sincèrement, ça n'a pas été d'actualité. Depuis que je suis arrivé, l'autre lieu, je n'ai pas vu passer. Même ça ensemble, pendant nos conseils municipaux, oui, tout est présent, je crois. À partir du moment où ils ont décidé... C'est le département qui a réagi de manière financière en finançant des éclairages sur une cartographie d'atterrissage proposée par le SMUR. Donc, ils ont proposé le stade de Civray. Ils n'ont encore jamais validé la plateforme dont tu parles. Il aurait fallu qu'elle soit validée avant par eux. C'est pas bon, c'est bon. Allez, je repasse la parole à Nathalie. Pour qu'elle me parle. Là, je suis super content. Une avancée fantastique dans la comptabilité française. On va se rapprocher de la comptabilité publique, de la comptabilité privée, et ne plus utiliser qu'un compte au lieu de deux. Donc ça, c'est... Je te laisse présenter la technicité, mais on est obligé de délibérer. Parce qu'on a demandé à être pilote. Là, c'est parce que je suis très content de ça qu'on est pilote aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans la lecture et dans la rédaction de la délibération telle que
vous êtes présenté. En fait, comme le dit Pascal, il n'y aura plus qu'un compte financier unique. Donc, on vous demande ici de présenter ce CFU, hein, quand vous allez en entendre parler sous ce terme-là maintenant. Il n'y a plus d'un côté le compte de gestion présenté par le Trésor public et les comptes administratifs présentés par les communes, qui, évidemment, l'intérêt, c'est qu'elles soient exactement équivalents. Là, en fait, on n'en aura plus qu'un seul. Et la commune de Civray s'est portée volontaire, j'allais dire candidate, mais volontaire, simplement, pour expérimenter, en fait, dès 2022, cette manière de réaliser, enfin, de proposer, de présenter et de réaliser les budgets d'investissement et de fonctionnement. Donc là, ça nous demande de passer alors à la nomenclature M57, comme ça, voilà, vous savez tout. Mais c'est juste la nomenclature qui change, qui va donc devoir être un petit peu plus justement équivalente entre ce qui est présenté pour à la DDFIP, enfin aux finances, et puis côté instrument comptable de la mairie. Et donc tout ça à partir de 2022, sachant que l'idée, de toute manière, c'est que les communes, quasiment toutes, enfin les collectivités, même les plus petites, alors les plus petites, c'est celles qui font moins de 3500 habitants, finalement, d'ici 2023-2024, soient de toute façon sous cette manière de procéder à l'exécution des budgets. Pour faire court, ça participe de la simplification administrative que je critiquais juste avant sur les gestions du personnel. Vous imaginez que jusque-là, et depuis plusieurs siècles, plusieurs dizaines d'années, il y a les communes qui tiennent d'un compte d'un côté, il y a l'administration qui nous gère, qui tient de l'autre, donc les comptes administratifs, les comptes de gestion, et à la fin de l'année, évidemment, il faut que ce soit les mêmes, mais si ce n'est pas les mêmes, là on commence à bosser beaucoup, et finalement on dit, on va tenir ensemble, en même temps, grâce à l'informatique, en tout dématérialisant, le même compte au même moment. C'est magnifique. Ça s'appelle une avancée technologique et administrative fantastique. Là, c'est vraiment de la simplification de l'administration. C'est-à-dire qu'en l'instant T, au même moment, tout le temps, Valérie, ici, et puis Madame Bayeul, enfin, ceux qui tiennent nos comptes à la DGFIP, ils auront les mêmes chiffres qui rentrent au même moment, ils seront plus là, à dire, mais il manque une ligne. Ça, c'est quand même quelque chose de... Enfin, moi, j'ai demandé à ce qu'on soit pilote parce que je pense que c'est une vraie avancée administrative. Et de toute façon, ça sera généralisé l'année suivante à l'ensemble des communes. Voilà. Donc, il faut quand même qu'on délibère sur le fait que vous êtes d'accord pour qu'on soit les cobayes de la DGFIP. Voilà. Qui est contre ? Ah non, si vous êtes contre, vous allez m'énerver sérieusement. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, on va pouvoir dire qu'on est prêt à essuyer les plâtres. À chaque fois qu'on essuie les plâtres, on a un retour. Hein. Vous savez, on a essuyé les plâtres pour l'informatique, ça a été compliqué de mettre tout ce qu'on a mis en place au niveau informatique ici, et on avait un petit blocage sur le, comment il s'appelle, la Cosolus, c'est ça, sur le logiciel comptable, qui lui n'acceptait pas, ne pouvait pas être mis sur le cloud justement. Donc on était obligé d'avoir un serveur parce qu'il était trop. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois? On a la fibre qui est partout. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont souscrit la fibre, moi le premier, qui va arriver ici. La fibre va nous permettre d'avoir le débit suffisant pour aller sur le cloud, de pouvoir y installer Cosolus, et donc de tout faire sans que jamais dans cette mairie il y aura eu de serveur. On ne sera pas passé de l'époque de l'ordinateur, du PC que chacun avait, sans avoir de serveur qui regroupe toutes les données de la mairie, mais on va tout pouvoir poser sur le cloud parce qu'on a accepté, enfin on a même demandé à la T86 qu'elle travaille pour arriver à ce que le logiciel Cosolus puisse être installé sur le cloud. Ce qu'ils ont fait, et à tel point qu'on a demandé ça il y a un an maintenant, c'était en juillet l'année dernière, et aujourd'hui, ils vendent le système aux autres communes, parce que finalement, ça leur fait un bond en avant, et puis ils se rendent compte que... Bon, je crois qu'il ne faut jamais avoir peur, là on va essuyer des plâtres, c'est sûr. Il y aura des erreurs, il y aura les premiers mois, celle qui va le plus souffrir, c'est Valérie, hein, c'est notre comptable, mais au bout d'un moment, on se rendra compte qu'on sera en avance, c'est très bien. Merci. Donc là, la délibération suivante, c'est quelque chose, peut-être qu'il y aura plus de débats. Enfin,
puisque ça a toujours fait l'objet de débats, mais c'est les horaires d'ouverture de la mairie. Alors, il se trouve, là, je vous l'annonce, après en avoir parlé avec le président Pichon vendredi dernier à Poitiers, que je remercie, s'il regarde le conseil municipal, que la maison France, l'espace France Service, je remercie aussi Jean-Paul qui a beaucoup travaillé dessus, ici à Civray, va ouvrir le 1er octobre à Civray. Il sera localisé, donc on fera sans doute une inauguration, j'ai convenu avec lui, entre le 1er et le 15 octobre, il faut qu'on lui trouve une date où il puisse venir l'inaugurer, le président du département. Et les horaires, donc la maison France Service accueillera normalement 9 services publics, tu les as dans la tête Jean-Paul, ou pas tous? Non. La CAF, les impôts, les OPR, enfin tout ce dont vous avez besoin. Ouais, allez-y, la CARSAT, enfin bon. Et ils seront accueillis par 2 personnes recrutées par le département qui seront basées à la maison des solidarités au département. Alors pourquoi je commence par dire ça? C'est que dans le cahier des charges de la maison France Service, de l'espace France Service, parce que MFS, ça ne se disait pas MFS, donc ils ont fait EFS. Dans le cahier des charges, il y a une ouverture le samedi matin. Et donc, ce que j'ai proposé, puisque la Maison des Solidarités est fermée le samedi matin, c'est que le samedi matin, on ouvre ici 2 heures, de 10h à midi, avec la personne, une des 2 personnes de l'espace France Service, une personne de notre service administratif, et un élu, enfin l'élu qui sera ce week-end-là de permanence. Ce qui fait qu'on sera en mesure de recevoir, aussi bien politiquement que techniquement qu'administrativement, enfin que je dirais municipalement qu'administrativement au niveau de l'État, tous les services de l'État, des gens qui n'auraient pas d'autre solution que de le samedi matin pour avoir ces informations. Et ça, c'est très important dans une ville, même si on est une ville assez importante, qui a quand même 300 personnes, enfin, si je rajoute l'ensemble des communes qui nous entourent, il y a 300 personnes qui vont travailler à Poitiers tous les jours et qui reviennent, ou à Angoulême, enfin qui vont à ça. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'être pendant les heures d'ouverture des bureaux sur Civray. Donc, je pense que ça, c'est un avantage. Bon, merci Jean-Paul, encore une fois, parce que c'est un des premiers dossiers qu'on a pris. C'était dans notre programme, c'est un des premiers dossiers qu'on a pris en main. Je me rappelle d'en avoir parlé avec le président Belin le 10 juillet, il était encore président du département. On a tout de suite eu le feu vert, on a avancé très vite avec la sous-préfecture. Et on a une réunion encore la semaine prochaine, le 15 septembre, pour justement coordonner tous ces petits détails d'ouverture et les services qui seront là et comment y accéder, etc. Donc ça veut dire que Civray sera doté pour l'ensemble du bassin, hein, ça va jusqu'à Charroux, jusqu'à assez loin, de tous les services physiquement d'une personne qui pourra répondre aux demandes sur au moins 9 ou 10 services de l'État. Donc la conséquence pour le conseil municipal, c'est que nous, on va Nathalie a très bien géré ça avec l'ensemble des équipes, on va reformater nos horaires d'ouverture et on va ouvrir de nouveau le jeudi après-midi. Elle a vu avec elle comment on répartissait le travail des uns et des autres. Il n'y avait pas d'augmentation d'horaire pour les gens qui travaillent. Et il y aura une permanence de 2 heures le samedi matin. Donc, il y a peut-être des questions sur ce nouveau... On avait déjà fait cette expérience, je crois, avec Laetitia, d'ouvrir justement le samedi matin pour voir ce que ça donnait un peu. Bon, apparemment, elles n'avaient pas souhaité retenir cette position parce qu'elles ne voyaient personne. Peut-être que c'est bien de renouveler, de réessayer. Pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a des gens, peut-être que le samedi matin, ça leur rendrait service. Toujours est-il que nous, on avait déjà tenté ça. Et voilà, ça n'avait pas été concluant du tout parce qu'à l'époque, elles avaient refusé. Elles restaient là 2 heures ou 3 heures le matin, le samedi matin, sans voir personne. Donc voilà, c'était simplement ce que nous, on en avait conclu à l'époque. Ouais. Oui, bon, là, il y a le paysage a changé. Il y a la maison France Service qui s'installe ici. Ça permet à notre personnel de ne pas être tout seul. C'était un des reproches. Enfin, ce qui les gênait le plus, c'est d'être seul. Là, ça sera 3 personnes à la mairie de Civray
pour accueillir les gens tous les samedis matins. Sincèrement, hein, pendant l'été, j'ai pas mal roulé en France, en Bourgogne. Enfin, j'ai envoyé des photos d'ailleurs à tous mes collègues sur WhatsApp. Les villes de notre taille qui ouvrent le samedi matin, il y en a plus que celles qui n'ouvrent pas. Donc c'est quand même, moi je tenais à ce qu'on revienne à une chose sur laquelle je n'ai jamais été d'accord, même quand j'étais conseiller municipal avant. On a ces personnes qui sont des gens qui travaillent, qui ont entre 25 et 60 ans, et qui ont des difficultés à accéder à la mairie parce qu'il n'y a que le samedi matin. Je suis persuadé que quand ça sera, ça n'avait pas marché aussi pour une bonne raison, c'est que ça avait été décidé brutalement, et après on avait décidé de réinstaurer le dernier samedi du mois, une fois par mois. Et une fois par mois, on n'a pas l'habitude, quand on sait que c'est récurrent, les gens savent, tiens, le samedi c'est ouvert. Ah, est-ce que c'est le dernier samedi? Non, ce n'est pas le dernier samedi. Donc... Et puis finalement, on ne vient pas. Enfin, de toute façon, c'est un accord avec le conseil départemental. On va, et puis on verra si c'est vraiment, si vraiment 50 samedis de suite, on a zéro personne, on prendra des décisions. On ne prend pas un risque grave non plus. Voilà. Ça permet aussi de remplir le cahier des charges de la Maison France Service, de pouvoir ouvrir le samedi matin quelque part, sachant que la Maison de solidarité est fermée le samedi matin. Excusez-moi, moi je pense qu'effectivement, qui est l'espace France Service, c'est récurrent, ça va permettre à des personnes de se dire j'ai des démarches administratives à faire, je peux venir, et en même temps, si l'accueil de la mairie est ouvert, ils peuvent faire plusieurs démarches d'un coup, donc ça peut être intéressant. Après, c'est à essayer effectivement. Voilà. Oui, bien sûr. Mais c'est le fait que ce soit jumelé avec l'espace France Service qui me paraît intéressant. Effectivement. Ah, ça, c'est sans doute ce qui a permis de débloquer la situation organisationnelle. Après, je pense, moi, qu'il y ait une permanence de 2 heures bien marquée d'un adjoint ou du maire de la mairie, ou du maire de Civray, ben d'abord, je pense que ça déchargera les questions sur le maire tous les jours. Ça, c'est très perso. Mais je pense que c'est bien que les gens puissent aussi avoir un endroit une fois par semaine où ils peuvent être sûrs de rencontrer un élu, même si l'élu ne sera pas nécessairement en mesure de répondre à la question, il sera en mesure de la transférer, il saura à qui s'adresser, enfin, il pourra réorienter la personne. Je crois que dans le lien avec la population, dans le lien avec les habitants, c'est bien qu'à un moment donné, il y a un endroit où les habitants puissent venir voir un élu. Et ça, je crois que on nous en dira que du bien. C'est que du qualitatif pour les habitants. Juste une petite précision. La mairie de Civray a commencé à être ouverte le samedi du temps de Jean-Bernard Brunet au moment des 35 heures. C'est-à-dire que quand les 35 heures ont été mises en place, à l'époque, il avait été souhaité que, justement, on ouvre plus aux personnes le samedi matin. Et à l'époque, c'est vrai qu'au départ, les secrétaires étaient toutes seules, et ça, c'est une demande d'elles, de leur part. Et après, les adjoints qui étaient de service étaient avec la secrétaire qui était présente tous les samedis matins. Moi, j'ai fait ça pendant 6 ans de mon mandat d'adjointe. Donc, et je pense en effet que c'est un service rendu à la population. L'ouverture le samedi matin d'une mairie, c'est très important. De toute façon, voilà, je pense que c'était bien. Il faut absolument essayer, et puis c'est l'occasion qui fait le larron. Il faut qu'on soit solidaire. Là, il y aura l'État, le département, la ville. On rendra des services, c'est évident, quand on voit les cartes d'identité, les passeports, bien au-delà de Civray. Donc, ça joue en centralité administrative de Civray pour tout le bassin de vie autour de Civray. Et puis aussi, c'est bon. Moi, je suis persuadé que ça va marcher, mais bon, on verra. Et donc l'inauguration de la Maison France Service sera début octobre, et on présentera les 2 personnes qui ont été recrutées par le département. Voilà. Est-ce que quelqu'un est contre ces nouveaux horaires? Est-ce que quelqu'un? Je vous remercie, et je vais passer la parole, en remettant mon masque, à c'est Sylviane. La ministre de la Culture, depuis son show hier soir, avec une très belle présentation, je le dis, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là et qui nous voient sur leurs écrans, on a une super présentation de la saison culturelle de la Margelle. Il y aura beaucoup de choses,
presque toutes les semaines. Et prenez vos abonnements ou au moins venez au spectacle qui vous intéresse. Sylviane, alors. Alors, la délibération suivante porte sur des subventions exceptionnelles à deux associations culturelles, l'association Attitude et la Compagnie de la Trace. Alors, en fait, l'association Attitude n'avait pas cette année souhaité faire de demande de subvention du fait de la situation sanitaire et de l'incertitude pour eux de pouvoir faire une activité. Et là, du fait de l'accalmie au niveau de Monsieur Covid, ils ont souhaité remettre en place leur marché de Noël qu'ils font tous les ans. Et ils nous demandent de leur octroyer une subvention exceptionnelle qui est de l'ordre de la subvention annuelle qu'ils avaient habituellement, c'est-à-dire 250 euros. Et d'autre part, la Compagnie de la Trace, qui cet été a fait un tour, les escales en Civrésien sur les 12 communes pour la première année du pays civrésien. Et ils ont démarré leur escale à Civray le 9 août avec quelque chose, une cérémonie officielle. Et le 20 août, ils ont terminé leur escale par une soirée avec des comptes sur quatre emplacements dans Civray, et pour cela, ils nous demandent une subvention exceptionnelle de 800 euros. Voilà. Bien, merci Sylviane. Qui s'oppose à ces deux subventions exceptionnelles ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Ouais, je remercie vraiment la Compagnie de la Trace pour l'animation qu'ils ont fait là, au mois d'août dans tout le bassin civrésien. C'était vraiment sympa et ça leur donne envie de recommencer. Et je suis persuadé que ça va motiver le Conseil régional pour revenir sur ces subventions à la Compagnie de la Trace en résidence à la Margelle à Civray. Dernière délibération et on pourra libérer Hélène qui attend impatiemment de retrouver ses associations. Mais ça la concerne directement, je vais en parler un petit peu. On a eu une tuile de dernière minute au mois de juin, c'est que le chauffage de la maternelle a lâché. Donc après plusieurs études, deux études successives qui ont été faites, on s'est rendu compte que les trois chaudières, je crois qu'il y en a trois, les trois chaudières qui sont à la primaire ont la capacité, avec un nouveau réseau à construire, de chauffer jusqu'à la maternelle. Donc les études l'ont prouvé. Donc c'est ce que nous demandaient de toute façon tous les réparateurs de la place de Civray qu'on avait contactés, tous les chauffagistes, d'avoir ces études. Au regard de ces études, on a pu établir le cahier des charges de ce qu'il faut faire. Et donc ils l'ont en main. Ils vont répondre dans les jours qui viennent, j'espère, au pire dans les semaines. Mais ça veut dire qu'on risque d'être juste pour le chauffage. Enfin, il y aura sans doute pas de chauffage. Il faudra trouver des solutions alternatives, en tout cas, pour la maternelle jusqu'aux vacances de la Toussaint. A priori, ça pourrait repartir normalement, si tout se passe bien, après la Toussaint, en espérant que les entreprises répondent rapidement. Là, ce qu'on vous demande de voter aujourd'hui, c'est que il y a quand même, c'est un gros montant, on l'estime à 80 000 euros. Ça, c'est un montant, veut pas dire fictif, ça se dit pas fictif, mais estimatif, parce qu'on n'a aucune proposition, aucun devis. C'est l'ordre de grandeur. Mais ça nous permet de faire les demandes de subventions correspondantes auprès de l'État, surtout en ce moment avec le CRTE, le plan de relance transition énergétique, on est en plein dedans, avec des dossiers à déposer, qui étaient à déposer là maintenant, mais à déposer avant la fin de l'année. Et puis, les autres cofinancements, la communauté de communes indique qu'elle nous suivrait aussi. Donc, moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est que vous nous autorisiez à pouvoir discuter avec ceux qui auront répondu dans les jours qui viennent pour choisir la société qui fera les travaux, sachant qu'il y a vraiment une urgence. Et que de l'autre côté, si on vote, c'est parce que Nathalie
fait les dossiers correspondants pour avoir les subventions auprès de l'État, de la Sorégie et de la communauté de communes pour que ce soit toujours douloureux pour nous, mais de l'ordre de 20 000 euros. Voilà, 22 000 euros. C'est des ordres de grandeur. Ces chiffres-là seront adaptés évidemment au montant exact des travaux. Donc, qui s'oppose à cet investissement qui est absolument incontournable? Je ne sais pas comment on peut faire si on ne met pas le chauffage à la maternelle. Qui s'abstient? Oui, oui, vas-y. Par rapport au système, je suppose que vous avez fait aussi l'étude de l'équivalent d'une pompe à chaleur, par exemple, pour remplacer cette chaudière défectueuse. Non, alors, il n'y a plus de remplacement de la chaudière défectueuse. On est passé d'une situation où on a pensé avoir des solutions de remplacement à une situation où les trois chaudières qui sont en ligne, je ne sais pas comment on appelle ça, en cascade, elles font 40 plus 40 plus 40, c'est ça? Mais c'est les chaudières à gaz, tu parles, hein? C'est la chaudière au gaz, tu parles? Oui. C'est ça, d'accord, elle est récemment installée. Oui, celle-là. Ah, d'accord. Mais celle-là, non, mais je sais qu'elles ont été installées par vous, je ne remets pas en cause. Non, mais ce n'est pas ça. C'est mais que... il se trouve que la capacité de chauffage de ces chaudières avec la distance de la maternelle, suite à une étude, prouve qu'un réseau de tuyaux adaptés à mettre à construire permettra à ces trois chaudières, ce qui est très bien, hein, à ces trois chaudières de chauffer non seulement le primaire, mais aussi... la maternelle, ce qui fait que ça évite de racheter une chaudière supplémentaire. Oui, je pensais que simplement c'était le remplacement d'une chaudière, d'une ancienne chaudière. Non, non, non. Donc l'installation d'une pompe à chaleur était intéressante. Mais effectivement, se brancher sur les chaudières récentes. Ouais. Hein, l'idée, c'est de rallonger le réseau qui va jusqu'à la primaire, jusqu'au maternelle. Okay. Et on espère pouvoir faire ça. Enfin, Hélène suit ça comme des œufs sur le feu. Non, comme on dit, comme du lait sur le feu. Mais on a envie de démarrer le plus vite possible. On attend, on harcèle pratiquement. Et s'ils nous entendent, les chauffagistes de Civray et ses environs, on attend vos devis avec impatience. Voilà. Ce sera tout pour les délibérations. Ah, j'ai oublié de faire voter celle-là. Ah, ouais, j'ai pas fini. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On a toutes les délibérations adoptées à l'unanimité. On est dans les temps pour Hélène qui peut à 10 heures partir au forum des associations. On arrive. On va tous y aller après, enfin ceux qui veulent. C'est au gymnase et ceux qui nous entendent, qui ne sont pas loin de Civray. Forum des associations, jusqu'à quelle heure, Hélène? Jusqu'à 13 heures. Au gymnase de Civray. Donc, je voulais seulement vous indiquer quelques informations, puis après, on répondra potentiellement à vos questions. Donc, après l'appel d'offres qu'on avait fait l'année dernière, qui avait été repoussé pour des raisons de date et de non-participation de l'assureur Alliance, la commission s'est réunie, des appels d'offres, sans moi d'ailleurs, et a décidé qu'on confiait le contrat d'assurance pour l'ensemble des garanties de la commune à la SMACL et pour la protection juridique à la MALJ Pilio. Voilà. Donc il y avait combien de réponses? 4 réponses. Sur des lots, un peu moins. Voilà. Donc vous connaissez nos nouveaux assureurs. C'est à partir du. Et là, normalement, on aligne tout à partir du 1er janvier prochain. Oui. Donc, on n'aura plus des assurances qui se décalent dans le temps, etc. Tous nos contrats d'assurance seront signés au 1er janvier, payés en janvier pour l'année en cours. Et donc, sur l'ensemble, on gagne à peu près combien, Nathalie? À peu près 7 000 euros par an. Sur parce que c'est un contrat de 4 ans. Ah, sur une somme qui faisait 45 000 annuels. Donc, on gagne 7 000 euros par an. Haute-Vienne. Alors, Haute-Vienne, on discute avec eux pratiquement depuis qu'on est arrivé. Mais d'ailleurs, Gilbert aussi avant. C'est un vieux dossier de fuite au foyer logement et à l'école et avec des factures assez astronomiques. Tu as dû connaître ça aussi. Donc, on est arrivé à une sorte de compromis de discussion. S'ils nous entendent, je les remercie. En tout cas, je sais que Gilbert siège à Haute-Vienne. Donc, s'il était pour quelque chose. Mais grosso modo, la facture globale qui était de l'ordre de 10 000 euros,
sera réduite de 50%. Je n'ai pas les chiffres exacts parce que c'est qu'un accord verbal pour le moment, mais on paiera la moitié puis pour solde de tout compte et on arrête avec ce dossier qui dure depuis des années. Annie veut... Ah oui, bah ça, je ne suis pas trop au courant du dossier. Isabelle. Donc, fin juin, on a été donc contacté par une association, c'est l'association Annie veut. C'est une association qui s'occupe des enfants malades pour leur faire des cadeaux le jour de leur anniversaire donc, et qui sont hospitalisés. Donc, cette association a décidé de faire un défi sportif, de partir de Sarcelles en vélo et d'aller jusqu'à Bordeaux. Et donc, ils font un arrêt sur Civray qui sera le 23 septembre. Et donc, on vous invite d'être présent à la mairie aux alentours de 18h pour un pot, pour les recevoir. Et moi, je vous enverrai donc leur plaquette si vous voulez aussi leur faire un don. Ça sera le bienvenu. Voilà. Merci Isabelle. Donc, on les accueille ici à la mairie, dans la salle du conseil. Oui. Ouais. Et puis on prévoira un pot, une sorte d'apéritif dînatoire. Quoi. Très bien. Prochain conseil municipal le 23 octobre. Mettez ça dans vos agendas. D'autres points dont je voulais parler qui ne sont pas sur votre papier. Bon. Lundi soir, on aura une séance de travail avec Laurent Dufour. On avance sur le projet Petite Ville de Demain vite, je trouve. Certains ne trouvent pas vite, mais on a une réunion quand à la sous-préfecture ? C'est mardi. Non, c'est le 21. Ce qu'on a reçu hier, c'est pas pour. C'est le 21. Je crois que c'est mardi. Là. Mais bon, on a une réunion avec les sous-préfets, avec la région, pour le. Avec toutes les villes, pas tout seul, avec toutes les villes concernées dans la Vienne, par Petite Ville de Demain, et avec les deux, Montmorillon et nous, pour réhabilitation de Centre-Bourg, pour le mode de financement. On avance un peu, parce que l'État est en retard. Je vous avais rappelé, on a recruté Laurent Dufour. Il a commencé à travailler le 12 juillet. On paye ses salaires. La région s'est engagée à prendre 50% et l'État 75%. 50 ou 75, ça fait 125, ça serait trop beau. Donc, il faut qu'ils discutent ensemble pour savoir qui prend quoi. Est-ce qu'ils partagent le total ? Est-ce qu'ils font... Donc, c'est un peu ce qui n'a pas été fait. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. On aura une réunion avec lui lundi soir, tous les adjoints, où il va nous présenter un peu ce qui a été fait et la préparation qu'il a faite d'une restitution qu'on fera des balades sensibles du CAUE le lundi 27 septembre à 19h30. Et je vous demande à tous ceux qui peuvent venir de venir à la Margelle, 27 septembre à 19h30. Lundi 27 septembre à 19h30, ça c'est important que ce soit repris, y compris dans la presse d'ailleurs, ce serait bien que... Parce que ça s'adresse à tout le monde. Alors évidemment, on va inviter les présidents d'associations lundi 27 septembre. Je ne suis peut-être pas très clair ce matin. On va inviter tous les présidents d'association, les 60 personnes qui ont participé aux balades sensibles, les directeurs des établissements scolaires, les commerçants, enfin plusieurs corporations, mais c'est évidemment ouvert à tout le monde. Si la Margelle est pleine avec 300 personnes, on sera très heureux. J'espère que ceux qui nous entendent, qui sont intéressés par le conseil municipal, viendront le 27 septembre à 19h30 à la Margelle. L'idée, ça sera de faire ressortir ce qu'ont senti l'urbaniste et l'architecte qui ont fait ces balades sensibles, avec ce qu'a apporté Laurent depuis qu'il est arrivé de connaissance de notre terrain, et puis, au total, d'écouter, enfin, de prendre, elles auront besoin de prendre vos retours ce jour-là. Il y a des choses qui vont peut-être être choquantes dans ce qui est dit, des choses qui vont peut-être être oubliées, des choses que vous aviez besoin de voir dans votre ville dans les 10 ans qui viennent. Donc, ça sera le moment de faire remonter les besoins, les critiques, les... Applaudir ne sera pas la peine, mais ce sera vraiment une séance de restitution et de présentation qui se veut une séance de travail, hein, avec l'apport de tous. Ça sera un peu un des derniers réunions avant la présentation d'un projet.
Et là, plus on avance, moins on peut corriger les choses. Donc, c'est important d'être là. Réunion pour nous, les adjoints, pour le fine-tuning de l'ensemble lundi soir. Et puis, présentation publique, elle vient de nous voir une semaine avant, les deux. Et puis, présentation publique le 27 septembre. Voilà, ça c'était un petit point sur le centre de vaccination aussi, parce que c'est pas mal lié à la culture, à la margelle, et il y a beaucoup de choses. On a fait 34 000 vaccinations, 35 000 bientôt, au 31 août. 34 000 vaccinations, dont j'ai oublié les chiffres exacts, mais 14 500 double vaccinations, de mémoire. C'est-à-dire de gens qui ont un schéma complet pour un bassin de vie, enfin pour une ville de 3 000 habitants, et puis une com-com de 28 000, on peut être très satisfait des résultats. Ce qu'on constate, on a commencé jeudi matin les troisièmes vaccinations, donc les troisièmes doses des gens de plus de 65 ans, pour être clair. Là, on va en avoir pas mal, parce qu'on a une dizaine de foyers logements qui nous sont rattachés. Ça va jusqu'à Availle, jusqu'à Saint-Sauvent. Et puis, on va vacciner, mais je vais dire pratiquement au compte-gouttes, les 9 établissements scolaires qui nous ont été rattachés. Ça va jusqu'au collège de l'Île-Jourdain, de Jancé, de Coué, Romagne, Charroux, puis les établissements de Civray. Mais on se rend compte que, en tout cas, les ados, les plus âgés des 12-17 ans, se sont beaucoup vaccinés dans l'été pour pouvoir sortir. Et donc, les premiers chiffres que nous ont montés les établissements scolaires à ce stade sont très faibles. Donc, on va envisager au départ d'organiser des bus pour amener 30 ou 40 élèves. Je pense que ce sera des voitures, voire des gens qui vont venir se faire vacciner individuellement dans les créneaux d'ouverture. Donc, ça ne sera pas long. Donc, une fois que j'ai dit ça, ça veut dire qu'on a une réduction de la pression vaccinatoire. D'ailleurs, pour la première fois depuis le début, hein, Jean-Paul, c'est Jean-Paul qui suit tout ça au quotidien, on a réduit notre commande de vaccins hier pour lundi prochain, de manière assez sensible, pour revenir dans des créneaux de conservation, enfin, dans des volumes de conservation de vaccins raisonnables. Et ça veut dire qu'on va probablement, au fur et à mesure, une fois que ces foyers logements, on va voir comment on les passe, sont faits, courant octobre, on va réduire sans doute, probablement supprimer le vendredi, parce qu'il y a beaucoup de spectacles le vendredi, donc ça libérera d'autant mieux la margelle. Et ensuite, on réduira les créneaux soit dans leur largeur, soit dans leur longueur, en remontant un petit peu en fonction l'objectif partagé maintenant avec l'ARS, c'est quand même qu'on essaye de, comme a dit la préfète quand j'avais vu ici, on va vacciner sans doute jusqu'à Noël, mais on va beaucoup réduire nos créneaux et on pourrait envisager une fermeture du centre au début de l'année prochaine ou à l'époque des fêtes de fin d'année. Tout dépendra évidemment, et là moi je ne suis pas devin, on parle de variant mu, de variant delta, tout dépendra de ce qui va se passer en termes de politique sanitaire nationale. Je pense que ça aurait été une bonne épopée, je dirais. Ce n'est pas évident, et moi je remercie ceux qui nous écoutent et qui nous ont soutenus, tous les organismes, Jean-Paul au premier chef, parce qu'il est là tous les jours, mais aussi les 70 ou 80 personnes qui ont travaillé dans ce centre, et finalement, le risque qu'évoquait le sous-préfet le jour où on l'a ouvert, c'était de ne pas tenir dans le temps. Bon, on a prouvé qu'ici, on a eu une équipe qui a tenu dans le temps, et ça peut être qu'un grand merci collectif, parce que même moi, même nous, c'est des moments où on sentait bien que c'était compliqué, le bénévolat, venir, etc. Mais ça a très, très bien marché. Voilà, ça, je pense que c'était important de le dire à ce stade de la vaccination. Donc, on a atteint le pic, on va être en les Anglais disent soft landing, on va aller en atterrissage en douceur vers une fermeture du centre. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Sur l'aspect immobilier, je peux répondre à des questions, mais à ce stade, par rapport à ce qu'on a fait, on a fait une préemption sur le presbytère. Donc, elle est actée. Hein. On avait fait une préemption sur le petit local à côté de la mairie, à côté du cinéma, entre le cinéma et l'agence immobilière. Donc ça, on l'a validé, signé. J'ai signé juste avant de partir en vacances. Donc, on a racheté pour 19 000 euros ce petit local qui pourra servir de vitrine aux associations qui en ont besoin, et puis éventuellement, on a vu avec la mission locale
Et ça pourrait être conjoint pour avoir que la mission locale ait une présence dans le centre de Civray. Ça, c'est une chose. C'est un tout petit investissement. Le presbytère, c'est un plus gros investissement. On doit finaliser. C'est pas finalisé pour. Enfin, c'est pas grave, mais on trouve une solution pour. Faut qu'on trouve une solution dans le contrat pour reloger le nouveau curé. Hein. Donc, on a des idées. Je peux les partager avec vous. Il n'y a pas de secret. On a le partage avec eux, d'ailleurs, éventuellement de réaménager ou de faire ce qu'il faut pour qu'ils soient logés dans la. Dans l'ancien logement du trésorier payeur général qui était au-dessus de la maison d'espace du vieux château. En tout cas, il faut lui trouver une location quelque part et puis on pourra prendre les lieux. Ensuite, on discute en ce moment du rachat de la maison de monsieur Orgery derrière chez toi. Pour récupérer tout le terrain, toute cette partie-là qui est derrière les ZEC. Et puis c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Tout ça pour le réintégrer dans le programme qu'on va avoir, qui aura une partie habitat non négligeable. Et d'ailleurs, on a reçu les propriétaires de l'ancienne caisse d'épargne, avec qui on a discuté longtemps et qui sont ouverts à l'idée. Alors, il reste encore un locataire dedans. Mais de refaire les travaux nécessaires dans l'ancienne caisse d'épargne pour qu'on puisse avoir des logements pour étudiants en particulier de niveau, enfin, aux normes. Et là, du coup, ça sera un bailleur social privé qui investirait. En l'occurrence, c'est une émanation du MEDEF. C'est le 1% des entreprises qui a un certain nombre de logements sociaux. Et ils trouvent qu'ils en ont très peu à Civray. Ils en ont combien ? 7 ? 7. Et ils voudront en avoir plus à Civray. On se rend compte d'ailleurs qu'il y a un mouvement immobilier qui est intéressant, si vrai, de gens qui investissent pour faire ces petits logements qui étaient dans notre programme et qui sont demandés à la fois par les 50 ou 60 étudiants du BTS du lycée et aussi par... on a quand même deux entreprises qui emploient 125 personnes chacune, qui ont des alternants, qui ont des apprentis et qui ont à chaque fois besoin de ce type de logement. Donc si on peut avoir... Nous, on fera ce qu'il faut avec l'établissement public foncier, mais il faut qu'on ait des... Plus on a de bailleurs privés, mieux c'est. Hein. Voilà. Donc voilà pour les informations que je pouvais vous faire passer, mais j'en ai sans doute oublié. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. Oui, j'aurais deux, trois petites questions. Une, la première, c'est dont tout à l'heure, tu as parlé de la réhabilitation de l'ancienne DDE, c'est ça ? Le projet, c'est quoi ? Non, parce que je ne sais pas si, peut-être pas. J'ai pas le projet actuel, c'est. Je pense qu'on en avait déjà parlé, mais le projet actuel, c'est de relocaliser ActiStart. Il y a un projet qu'on dit depuis le début, c'est qu'on on va. D'ailleurs, on en a discuté hier avec la communauté de communes en fin de discussion. On envisage une solution peut-être commune, mais on veut qu'à terme. Le bâtiment de l'ancien CFA agricole disparaisse, soit détruit. Ça, et bon, là, on commence à avoir un accord. Enfin, on a une relation, enfin, une discussion très positive et très constructive avec le président de la communauté de communes sur ce sujet hier. Donc, je pense qu'on va trouver une solution. Et donc, on relocaliserait ActiStart là-haut, comme c'était prévu. Sauf que, ils voulaient pas y aller tout de suite eux-mêmes. Hein, ils sont peut-être pas partants. Et il faut qu'on fasse les travaux nécessaires. On a voté un truc pour 150 000 euros déjà, mais 170, ça fera sans doute le double, je pense. Mais on a voté déjà 170, parce qu'on a déjà recruté l'architecte, c'était des votes du printemps. Et les réunions ont eu lieu avec ActiStart, avec Cicerone potentiellement, s'il pouvait prendre une partie là aussi. Et en tout cas, l'idée, c'est de vraiment vider l'ancien CFA pour le détruire dès que possible. Au niveau du CIMER, par rapport à la DDE, le contrat, il en est où ? Il reste encore ? Ils parlaient de partir ? Est-ce qu'ils sont, ils en sont où avec leur projet ? Parce qu'effectivement, le CIMER est logé leur camion, là, anciennement, dans les garages de la DDE. Oui, mais ça, c'est fini, ça. Et ils n'y sont plus. Ah, non, ils ont déménagé. Le CIMER a racheté l'ancien autre vienne. Très bien, d'accord. Ils ont pris la possession des bâtiments, mais avant l'été. Hein. Ok. En mars, je sais plus. Enfin, donc ils sont totalement localisés rue du Chemin Vert dans l'ancienne
l'ancien bâtiment d'Haute Vienne, qu'ils ont racheté, ils sont propriétaires, ils sont chez eux. Ils ont d'ailleurs, c'est un peu leur deuxième, vous le savez peut-être pas, là, je parle en tant que vice-président du CIMER, mais on va prendre la compétence déchets sur l'ancienne communauté de communes de Coué à partir du 1er janvier qui vient. Donc il y aura, je veux pas dire, il y aura deux sièges, le siège reste à Montmorillon, mais il y aura un centre avec une vingtaine d'emplois sur Civray, ce qui est aussi bon en termes d'emploi pour nous. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Et notamment alors, l'école de musique, parce que bon, en fait, elle ne se fait pas donc, aux anciennes écoles là-haut, donc c'est où alors, l'école de musique, on leur a... bah, je vais passer la parole à... Non. Donc on leur a... Alors, ce qui s'est passé à court terme, à très court terme, l'association du troisième âge s'est dissoute. Elle n'existe plus. C'était l'association du troisième âge, comment il s'appelait ? Les anciens. Les aînés. D'accord. Ils se sont dissous, donc ils ont libéré la salle. Cette salle du milieu va se permettre de stocker le matériel. Non, alors c'est pas ça que tu parles, c'est toi qui es sur place. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, l'association du troisième âge a stoppé ses activités, ils ont vidé toutes leurs affaires, ils ne veulent plus occuper de salle pour l'instant. Donc, la salle qu'occupait Françoise au premier étage, qui est dans le fond pour les cours de solfège, était devenue un peu petite et mal adaptée. Donc, ils vous ont demandé à descendre. Ils vont donc occuper cette salle pour les cours. La petite cuisine va leur servir maintenant de bureau. Et le bureau qu'ils avaient avant va leur permettre de stocker tout le matériel qui était dans la salle de répétition. Et comme la salle de répétition était un peu trop petite, ça va leur permettre d'avoir plus de place. Et eux, ils souhaitent rester à l'endroit où ils sont. Donc, on va réaménager, on va faire des travaux pour que l'école de musique puisse être aux normes. Voilà. L'objectif stratégique, c'est que la musique, le théâtre, la compagnie des traces et un bâtiment neuf. Et aussi, on a un projet qui est lié dans le cadre de Petite Ville de Demain au niveau de la tour du Grand Château, du Vieux Château, et l'arrière, enfin, tout ce qui est... Il faudra faire quelque chose pour détruire ce vieux hangar pourri et tout ce qui est dangereux derrière, pour avoir une visibilité, sans faire grand-chose, une visibilité et peut-être une possibilité de monter en tant que promontoire ou de vue sur la ville, sur le château. Donc, cette partie-là qui nous appartient serait remise à neuf. L'architecte va y aller jeter un œil quand elle vient la prochaine fois. Non ? Oui, il faudra en choisir un. C'est un projet qu'on a acté et qu'on va remettre en état. Donc, toute cette partie, en détruisant probablement le vieux hangar qui est là, en faisant réapparaître la tour derrière et en ayant un truc un petit peu attractif pour que les acteurs du théâtre et les acteurs de la musique se retrouvent, voilà, ça sera leur local à eux. Moi, je regrette quand même que ça soit pas fait à l'origine où les travaux étaient déjà commencés. C'est un peu dommage parce qu'en même temps, tous les acteurs, enfin, tous les professeurs de musique, etc., étaient ravis que ce soit là. Je sais pas. C'est dommage que ce soit pas, que le projet n'ait pas continué à ce moment-là, quoi. Surtout qu'il y avait quelques investissements déjà faits là-dedans. Dernier truc, maintenant... Ça ne veut pas dire que les investissements sont perdus. Il y aura toujours des projets dans tous les bâtiments publics de la ville. On ne va pas arrêter du jour au lendemain. Maintenant, dernière chose, j'aurais une requête qui me tient à cœur. Là. Concernant, bien sûr, je reviens un peu là-dessus, sur le pôle santé. Voilà, donc... avec quelques Civraisiens, j'en ai quand même parlé, et tout le monde trouve dommage que ce pôle santé ait perdu son identité, c'est-à-dire perdu son nom. Parce que l'espace de vieux château, ça ne veut rien dire, surtout pas un espace santé. Donc c'est ce mot santé qui me choque un peu, qui soit disparu. Si on veut détruire une entreprise, effectivement, on supprime son enseigne et puis elle va mourir. Et là, c'est la même chose. Et je ne voudrais pas que ce pôle santé meure. J'y tiens beaucoup. Donc, je demande, et ça c'est une requête importante, je souhaite à ce que le pôle santé retrouve son nom. C'est très important,
parce que, bon, d'une part, les praticiens qui sont là-dedans, effectivement, n'avaient pas du tout prévu ça. Aujourd'hui, on ne pourra pas les retrouver si on les cherche, parce qu'on ne peut pas, l'espace du vieux château, ça ne veut rien dire, on ne les retrouve plus. Des praticiens qui ont du travail, qui ont des carnets de rendez-vous garnis. L'idée de vouloir le faire mourir comme ça doucement, juste pour faire plaisir peut-être à deux, trois personnes, moi, ça me fait un peu mal, quoi. Donc, je demande à ce qu'on remette, on lui redonne son nom, son enseigne. Voilà. Alors, d'abord, pour te rassurer, la décision, ce n'est pas pour faire plaisir à deux, trois personnes. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu identifies, parce que je ne connais pas les personnes auxquelles tu fais allusion. Tu dois les connaître, mais pas moi. Non, le mot santé, il n'est pas validé par l'ARS sur un établissement qui n'est pas une maison de santé de l'ARS. Et donc, c'est exactement une usurpation d'identité par rapport aux normes de l'État français. On a voulu rester dans les clous. Alors, espace du vieux château, c'est pas parce que c'est espace du vieux château qu'un dentiste ne peut pas y exercer. C'est pas parce que c'est espace du vieux château qu'un médecin ne peut pas y exercer. Ça, on n'a pas de. On a aucun. Si un médecin veut louer un cabinet, on lui offrira sans aucun problème. Donc, c'est pas fermé à la santé. C'est seulement ouvert à tous. Donc, on a voté à l'unanimité, ou non pas à l'unanimité, mais on a voté le nouveau nom. Espace du Château dans un conseil précédent, je ne sais pas quand c'était, il y a deux, trois conseils. Voilà, on ne va pas revenir dessus, enfin, tu peux le solliciter, mais là, je ne pense pas qu'on va revenir dessus. Moi, j'ai simplement une question à vous poser, c'est que, pourquoi vous avez prévu un agrandissement, sachant qu'actuellement, on n'arrive à trouver personne au niveau de thérapeute pour venir dans ces bâtiments. Pour répondre à votre question, si, nous on en avait tout le cas. On avait déjà logé provisoirement dans l'habitation derrière une sophrologue, on avait une naturopathe, on les avait donc logés là en attendant que l'agrandissement se fasse. Elles ont bien un nouveau bureau, oui. Oui, ben voilà. Donc ne me dites pas qu'on n'avait rien, on avait déjà mais des après, gens. Mais après les autres bureaux. Il y avait la sage-femme qui demandait à s'élargir, demandait plus de temps. On avait des kinés. Donc il faut quand même savoir qu'elle est partie. Elle est partie parce qu'elle s'est retrouvée dans un couloir sans lumière et avec beaucoup de bruit pendant les travaux. Justement, on aurait pu lui donner un local à côté. C'était un peu l'idée du départ. Sauf qu'elle est partie parce qu'elle n'était pas du tout contente de ce qui se passait dans la gestion. Non, elle ne voulait pas du tout d'un autre bureau. Bon, ben là, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Enfin, bref, voilà. Peut-être. Après, il y avait des kinés qui avaient demandé aussi. Je ne sais pas pourquoi. Et après, ils ont changé d'avis. Seul souci, c'est que vous ne leur avez pas donné suite quand même. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Il y avait suite, sauf qu'après, les événements ont changé. La nouvelle équipe est arrivée. Non, il n'y avait pas. Je ne vous permets pas de dire cela. Ça, c'est non. Écoutez, le kiné que j'ai rencontré la dernière fois, mais c'était avant que ça change. Et voilà, on avait une bonne discussion. Mais c'est en même temps, pourquoi ne pas agrandir en prévision de pouvoir recevoir quelqu'un? C'est quand même le rôle d'une commune, une collectivité. Il y a des communes aujourd'hui qui se battent pour essayer de mettre même à disposition des praticiens comme ça, des locaux gratuitement. Nous, à Civray, on a ça et aujourd'hui, on veut le faire mourir. Mais je ne comprends pas. Quoi. Voilà. Non, on ne veut pas du tout faire mourir ni je le local, ni Civray, ça non. Et l'agrandissement était bien prévu dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de demande vraiment, on pouvait les donner une autre destination. Rien ne nous empêchait. On avait prévu pour ça une entrée indépendante. Voilà, c'est tout. Il faut quand même relativiser les choses. On est une ville, on a la chance, c'est vrai, Savigné, où il y a deux maisons de santé labellisées ARS, où il y a 8 médecins qui pratiquent. Non, comparé à Montmorillon, on est riche. Tout le monde nous regarde comme des riches. Et je parle à mes collègues de Montmorillon, s'ils nous regardent, on a de la chance. Et d'ailleurs, si le riche de 8 médecins qui ont moins de 50 ans, riche de jeunes médecins qui ont entre 60 et 70 ans, qui ont tous été volontaires au centre de vaccination. Donc, il n'y a rien là-dessus. Là, on revient sur un problème immobilier. C'est un pôle qui a coûté 300 000 euros. Non, je sais. Non, alors les chiffres, je les ai tous. Non, alors maintenant, si je souhaite qu'on
On a besoin de mètres carrés, on a besoin de mètres carrés pour loger des gens. Je ne dis pas qu'on ne l'utilisera pas. On est propriétaire, on va trouver des solutions pour que ce soit utilisé. Je ne souhaite pas, et je ne l'ai pas souhaité dès le premier jour, quand j'étais encore conseiller municipal, que la même année, on ouvre une maison de santé labellisée ARS de la communauté de communes et un pôle santé de la municipalité qui faisait apparaître une forme de concurrence qui n'avait pas lieu d'être. On a aujourd'hui la chance d'être très soutenu par l'État et la communauté de communes, par délégation département, enfin les délégations en chaîne du ministère de la Santé, département, communauté de communes, pour qu'on ait ce que j'appelle de mes voeux, vraiment une maison de santé pluridisciplinaire avec plusieurs lieux. On a Savigné, Civray, et Savigné exerce à Charroux. Tout ça, c'est positif pour le Val-de-Charente. Il ne faut pas ajouter à la confusion. Je suis heureux que notre dentiste exerce en centre-ville. Il n'y a aucun dentiste dans la maison de santé. Et on pourra envisager... on a un nouveau, c'est M. Louvaux qui s'est installé depuis... Tout à fait. On a des gens qui s'installent et on est heureux de les accueillir. Et on va tout faire pour qu'ils se sentent bien. Et on ne remet pas en cause. Je pense qu'il est urgent de dire qu'on a une maison de santé labellisée ARS qui fonctionne, avec les médecins que vous connaissez là-haut à Oregon. Il y en a une autre à Savigné qui fonctionne aussi. Et puis ça, c'est la richesse de notre bassin de vie. Et c'est ça, c'est les maisons de santé du Civraisien. Donc maintenant, pour le nom, je ne vois pas pourquoi on s'est mis d'accord à la majorité, c'est l'espace du vieux château. Si un médecin ne veut pas exercer dans le cadre d'une maison de santé, veut exercer de manière libérale, totale, sans payer un loyer à une communauté de communes en se créant sa clientèle, on ne lui interdira pas, au contraire, de prendre un cabinet s'il le souhaite ici. Ce que tu dis, faire mourir, on ne souhaite pas faire mourir ce lieu. 300 000 euros, on ne souhaite pas les perdre. Voilà. Pour revenir écoute, moi, je suis la personne qui a monté la première réunion des professionnels de santé du bassin le 1er juillet l'année dernière. Un mois après, c'était dans notre programme. Il y a plus de 50 personnes qui sont venues. Dans la salle derrière, c'était plein. J'ai parlé avec M. Landreau à la fin, longtemps. Je lui ai dit, écoutez, venez en ville. J'ai même parlé. Non, lui, il avait déjà décidé qu'il ne viendrait pas. C'était décidé. Bon, je suis très heureux de les accueillir à Civray, là où est l'ancienne fleuriste, où ils vont ouvrir, si j'ai bien compris, le 1er octobre. Donc c'est aussi ça, c'est quatre kinés qui viennent dans Civray. Donc ça. Mais lui, de toute façon, il avait écarté tout de suite la solution proposée là-bas. Enfin, le 1er juillet 2020, c'est ce qu'il m'a dit. Ils étaient sur un autre truc privé, plus près du centre-ville, mais qui était privé. Finalement, ils ont choisi là-bas. Aucun moment, les uns et les autres et la commission santé n'a envisagé de faire en sorte qu'il n'y ait plus l'ostéopathe ou le dentiste sur l'espace du vieux château. On est bien d'accord qu'ils sont là, qu'ils sont nécessaires et tant mieux. Nous, on n'attend qu'une chose, c'est que d'autres viennent, au contraire. C'est pas un problème, au contraire. C'est pas parce que ça s'appelle espace du vieux château qu'on n'accueillera pas des professionnels de santé, enfin. Il n'y a aucun souci là-dessus. On aimerait bien que ce soit plein de professionnels de santé. Ça nous arrangerait pour les loyers, même. Pour clore ce débat qui est un peu long, on fasse cette réunion avec tous les locataires de l'espace du Vieux-Château, avec moi, et qu'on les écoute, hein, et qu'on voit ce qu'on peut faire à partir de là. Et puis, on invite Fernand, le cas échéant. Moi, j'ai rien contre. On partage un peu les ressentis, les besoins, et ce qu'on peut faire. Il faut progresser, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut tous aller au forum des associations? Non, mais je ne veux pas monopoliser là. J'ai oublié de remercier, avant d'avoir posé la question, de savoir si Bénédicte voulait être la secrétaire de séance. Je la remercie. Il y a la presse? Le public? Bien. Ce conseil municipal se clôture aujourd'hui. Je vous rappelle une date importante, lundi 27 septembre 19h30 à la salle de la Margelle pour la restitution du CAUE. D'ici là, allez au forum des associations et prochain conseil municipal le 23 octobre à 9h au même endroit. Bonne journée et bon week-end à tous.